Allons, tu ne vas pas plancher maintenant. Ne devait venir que dans 8 jours. La semaine prochaine, je signalerai sa disparition. Toi, tu pars demain. Sans te faire remarquer, tu abandonnes sa voiture sur son circuit habituel. Tu as ses papiers? Après, nous attendons. Marc, on n'a pas voulu ça. Tu me reconnais pas, je suis Chlo. Ta cousine? Ma petite Chlo. Quelle surprise. Oh, si tu avais vu ta tête. On aurait dit un enfant pris en faute. Il y a si longtemps. 10 ans. Bien sûr, tu pouvais pas me reconnaître. J'étais encore une petite fille. Je ne pensais pas trouver ton mari avec toi. Quand je suis passée à Paris, la concierge m'a dit que tu étais là et que ton mari était en voyage. Je suis très heureuse de vous connaître. Lui aussi est enchanté. Je suis très heureux. Ah, votre rire, j'en suis presque convaincue. Oh, tu m'excuseras de vous déranger à cette heure impossible. J'avais tellement hâte d'en voir la maison et de te retrouver. Tu es toujours aussi belle. Et toi, tu es devenue délicieuse. Rentrons. Nous serons aussi bien pour bavarder. Il est toujours tout traîné. Tu sais, je me sens toute petite. D'ailleurs, je peux rester 8 jours, après je suis obligée de retourner directement à Dakar. Mais ma chérie, tu es ici chez toi. Reste le temps que tu voudras. Merci, tu es un ange. Mais tu sais, c'est un peu une fugue que je fais. Mes parents me croient sur la côte normande. Eh ben c'est du joli. C'est un champ de bataille ici. Décidément, tu changeras jamais. À propos, je ne t'ai pas demandé les nouvelles de tes parents. Tout le monde va bien à Dakar? Ils t'embrassent. Voilà. Je crois n'avoir rien oublié. Oh, Julien. Vous permettez que je vous appelle Julien? J'ai un petit cadeau pour vous. Irène nous a écrit que vous collectionnez les insectes. Ils sont très très rares, vous savez. Je vous remercie beaucoup, ils sont très beaux. Tiens, je t'ai rapporté une cotonnette du pays. Ça fera un très joli pario.
N'est-ce pas qu'elle est merveilleuse? C'est ravissant. D'ailleurs, si j'avais su que vous étiez si jeune, je vous en aurais rapporté. Ça fait des chemises d'été formidables. Mais quand Irène nous a écrit qu'elle épousait Monsieur Julien Priest, polytechnicien, administrateur de société, pour moi, c'était un monsieur sérieux autant que gris. Vous êtes un vrai playboy. C'est quoi? Je serais capable de le croire. Et bien voilà. Tu te souviens? Et c'est comme ça que tu as défoncé toute la literie. Oh, c'était surtout mon frère. Il plongeait de la commode. Quel farfelu. Dis donc, quand je vous ai surpris tous les deux, il n'était pas si farfelu. Tu as toujours eu le génie d'arriver au bon moment. Allez, faites beau rêve. Bien en général. Hé, mon petit copain de vacances, Bernard, tu te souviens? Qu'est-ce qu'il est devenu? C'était ton amoureux, pas le mien. Il doit faire son service. Allez, bonsoir. Dis donc, Irène. Il est beau gosse, ton mari. Si, si, tu as de la chance. Bonsoir. Bon, si je comprends bien, je suis bloqué ici, je ne pars plus de main. Il n'est plus possible que tu t'en ailles. Pour Claude, tu es Julien. Oui, mais la voiture de... Quand Claude partira, tu auras 2 jours pour prendre la voiture et la faire disparaître loin d'ici. Écoute, ça n'est plus possible. Où ça va-t-il nous mener? Il faut tenir le coup. 8 jours. 8 petits jours. Tu verras. Tout se passera bien. Je me sens si forte pour défendre notre amour. Je t'aime, Marc. Si tu savais comme je t'aime en ce moment.
Je ne l'ai trouvée ni dans le jardin, ni dans la maison. Je ne sais pas où elle est. Elle ne doit pas être loin. Je vais voir.